Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. On va voir maintenant variables extensives et intensives. Certaines variables d'état ont des valeurs qui ne dépendent pas de la masse, la quantité de matière du système, on les appelle variables intensives. Exemple, la masse volumique, la pression, la force, la concentration, la température sont intensives. D'autres, au contraire, leurs valeurs dépendent de la masse, la quantité de matière du système. On les qualifie de variables extensives. Exemple, le volume, la masse, le nombre de moles sont extensifs. Un moyen de reconnaître le caractère intensif ou extensif des variables consiste à diviser le système. Donc, en fait, pour vous faire comprendre mieux ce que c'est une variable intensive et variable extensive, bon, vous pouvez oublier dépend de la masse ou ne dépend pas de la masse. Vous pouvez oublier ça si vous le voulez. En gros et en résumé, une variable intensive est une variable non additive. Une variable extensive est une variable additive. Donc intensive, vous pouvez voir ce IN, bon, indépendant. Oui, voilà. Donc extensive, bon, dépend. Donc je vais illustrer un petit peu cela pour vous montrer ce que je veux dire. Donc pour les variables intensives, si je prends par exemple la température T. Donc si je prends ici une température T par exemple T1. Et je prends T1. En fait, la même température, c'est-à-dire ici, j'ai 25 degrés et ici, j'ai 25 degrés. Si je fais T1 plus T1, ça va donner T1, n'est-ce pas? C'est-à-dire 25 degrés plus 25 degrés, c'est 25 degrés. Ça ne change pas. Donc c'est une variable qui est intensive. Ce IN que vous voyez, c'est-à-dire, bon, on peut dire, bon, c'est indépendant. Indépendant. Bon, ça, c'est un exemple de... un exemple d'une variable intensive. Maintenant, si je veux un exemple d'une variable extensive... Donc, exemple de variable extensive. Donc, variable extensive. Donc, si je prends par exemple la masse. Une masse M1 avec une même masse M1. Ici, j'ai par exemple 50 kg. Ici, j'ai 50 kg. Si je fais M1 plus... pardon, plus M1 plus M1, ça va donner ça. Donc ça va donner M1 M1. Donc ici, ce que j'ai là, c'est 100 kilos. Donc ça,
Dans ce cas-là, une variable extensive, elle est additive. Donc, en gros, une variable extensive, elle est donc extensive, elle est additive. Alors que intensive, non, elle est non additive. Et c'est tout. Donc, je vais vous relire ce qui est écrit dans le cours. Donc, certaines variables d'état sont des valeurs qui ne dépendent pas de la masse. La quantité de matière du système, on les appelle variables intensives. Exemple, la masse volumique, la pression, la force, la concentration, la température sont intensives. D'autres, au contraire, leurs valeurs dépendent de la masse, la quantité de matière du système. On les qualifie de variables extensives. Exemple, le volume, la masse, le nombre de moles sont extensifs. Un moyen de reconnaître le caractère intensif ou extensif des variables consiste à diviser le système. Donc, merci pour votre attention. Après, on va voir la notion d'équation d'état. Inch'Allah.